Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des cases à cocher avec Microsoft Excel et comment les compter. Vous avez dans la cellule C2, si je coche ça, nous avons 5 cases cochées ici. Si je clique ici, on a 0. Nous allons apprendre à faire ça facilement et rapidement. Donc, première des choses, on prend la cellule sur laquelle on va créer la case à cocher. Je prends par exemple A1. Ici, dans le ribbon, j'ai ici développeur. Vous avez inséré dans le contrôle du formulaire. Je choisis cette option-là. Je clique, je clique et je glisse. Je peux changer ce texte. Si je veux par exemple task 1, et voilà, je peux cocher et décocher. Même chose, vous pouvez sélectionner ça. Contrôle. C, CTRL V. On va la mettre dans la cellule numéro 2 et je vais changer ici task 2. Je peux la positionner comme ça. Pour la déplacer, je vais faire un clic droit. CTRL V. Je fais ici task. Et vous voyez maintenant, je peux décocher ou bien décocher ces cellules-là. Mais le problème, comment on va les compter? Pour les compter, on va faire un clic droit sur la première cellule A1, format de coupure. Vous avez la valeur ici, active, non active, mixte. On va lier ça avec la cellule B1. Et je valide. Quand je coche task 1, c'est faux. C'est vide, c'est faux. Quand je coche, c'est vrai. Même chose pour A2. Clic droit, format. Je prends la cellule. Je valide avec B2. Je l'ai avec B2. Et même chose pour 3. Format. Je lis avec formule numéro 3. La cellule numéro 3. Je suis lié avec la cellule numéro 3. Et vous voyez ici, il suffit de compter les vrais ici. Pour compter le nombre de cellules cochées, il suffit de cliquer le nombre de vrais ici. Donc, on va faire égal np. Si je prends cette zone, p1p3, point virgule, on va vérifier, on va compter la valeur vraie. Et voilà, j'ai 2. Si je coche tout ça, j'ai 3. Si 3 sont vides, j'ai 0. Donc on peut faire ça pour 5 cellules. On peut même faire ça pour beaucoup de cellules. Ici, la formule utilisée ici. On peut jeter encore un texte, le total. On peut mettre ce texte-là, le total des cases cochées. Et on va faire np.si. Et voilà, j'ai ici cette phrase. Donc si je mets ça, 3, je mets 4, si je mets 5. Ça peut être utile pour vos calculs, pour vos applications. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'être mis en notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.